changé mon lit manier. Je savais pas où mettre mon garde-robe. Je l'ai mis en coin comme ça. Mon lit est comme pas vraiment fait, mais en tout cas. Je manquerais comme un petit... Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, on dirait qu'il faut que je change mon lit manier de temps en temps parce que après un bout, on dirait que je peux plus dormir. Puis, comme tu sais, je peux faire ça comme juste comme une semaine, puis après ça, je le remets normal, puis je suis bien correcte, là, tu sais. Oh, c'est comme... je sais pas. C'est-tu le printemps qui fait ça? En tout cas, ça me fait ça de temps en temps. Puis là, je vais bien dormir après ça. Donc là, j'ai ultra de lavage à laver, puis ultra de lavage à plier. Le panier à tomber, tellement que t'es plein. Mais ouais, faut que je plie tout ça. Je plie sur mon lit, fait que j'ai lavé mon matelas. Puis à côté, c'est le blower parce qu'il a fallu que je le lave lui aussi. Parce que monsieur était toute pleine de pipi. Il fait pipi. Oui, puis ici, oui, c'est Charlotte qui a mangé ça. On m'a amené dans son jeune temps. Ça avait pogné de la terre au dos. Mais planter des petites pousses. Je sais même pas quelle qui va peut-être pogner. Ça fait comme plusieurs semaines, c'est dans l'eau. Puis c'est ça, à suivre. J'ai chaud, comme d'habitude. Fait que je vais enlever mon petit chaquette. Mais c'est ça que je me suis acheté à Moncton. Je l'aime, par exemple. Comme, des fois, on dirait dans la pomme, ils sont pas doux en dedans. Lui, il est vrai doux en dedans. Tu sais. Il est le fun. Je suis comme, oh, je l'aime. Je sors juste la douche. J'ai un petit peu trop chaud. Là, puis, j'ai pas encore déjeuné. J'ai pas bu mon café. Je m'avais réveillée quand même tôt. Puis là, j'ai comme retombé en dormant. J'en ai profité parce que vous savez qu'il faut que je ressuscite mon sommeil pareil. Malgré tout, voyons, je peux m'installer. m'installer. Désolée, j'allais. Là. Fait que je pense que je vais manger une masse. Puis, je vais me faire des bagels. Mais je peux peut-être faire des bagels. Juste manger de moitié. Parce que. Je m'avais pogné une oreiller de cuisse demain. Une oreiller entre les jambes, genre en bas, tu mets ça là. En tout cas, j'ai hâte de voir. J'ai pas encore essayé. Mais bon, c'est ça. Fait que je vais manger juste un demi-bagel et mon gâteau va prendre une toupe. Tantôt, je mangeais l'autre morceau plus tard. C'est juste que je trouve que c'est comme beaucoup, là. Je vais prendre mes médicaments. Mais on dirait que je trouve médicaments, c'est plus comme maladie. Médication. C'est plus comme genre le bon terme, je trouve, là. C'est ça. Hier, on a mangé du Subway pour souper. Puis là, j'avais cancellé mon Good Food pour une couple de semaines. Puis, j'étais comme, ah, il me semble que je devrais être dû pour le canceller. J'ai eu un message un matin, ton Good Food va rentrer. Fait que je pense qu'il est rentré parce que j'ai entendu un truc tantôt, mais c'est dû à dire si c'est comme un client qui est venu chercher une commande. Ou si c'était une livraison. Mais c'est ça. Bon, Alexa qui s'énerve. Fait que je vais finir mon petit déjeuner. Puis je parle après. Des pois, des fois. Des pois, c'est assez fragile, genre. Tu sais, comme mon bol à fruits, il est comme ligné. Tu sais, ça a comme rentré dedans. J'ai mangé un kiwi puis une banane. Puis tantôt pour ma collation, je mangerai une poire. Fait qu'aujourd'hui, le plan, ça est vraiment de travailler puis de continuer mes lavages en ça. C'est ça, aujourd'hui, on est mercredi. Puis j'étais comme aussi en réflexion par rapport au Vlogmars parce que, on dirait c'est bizarre parce que, comme là, le vlog de dimanche sort juste jeudi. Excusez. Puis on dirait, je trouve que c'est comme trop loin. Moi, j'aimerais ça soit comme pou, 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 suite. So, je pense que je vais... Je pense que c'est plus facile de vlogger plus que genre m'empêcher... Pas m'empêcher de vlogger, mais genre, je suis comme, ah ben là, si je vlog aujourd'hui, ça va rien dire que la semaine prochaine, genre, parce que c'est trop
Fait que ça se peut qu'il va y avoir des vlogs aux deux jours. Ça se peut qu'il va y avoir des vlogs tous les jours à partir de... là, là. Puis peut-être que vers la fin du vlog mars, si je suis trop fatiguée, ben là, on reviendra aux deux jours, là. Mais je pense que je vais comme... ça va être plus random. Je vais essayer de vlogger plus. Parce que ça va vite, là. C'est juste que je trouve que... comme là, tu sais, j'aimerais vraiment vous montrer le vlog de qu'est-ce qu'on a fait dimanche. Mais genre, je l'ai pas mis à matin. Il sort juste demain. En tout cas. Puis j'ai aussi des vlogs assis, genre des vidéos assis. Puis c'est ça, je vais en filmer aussi avec André. J'ai quand même une couple d'idées. Puis c'est ça. Puis là, même plus que la neige fond, plus que j'ai envie de faire mes semis. Fait probablement qu'il y aura un vlog de semis. Puis de tous mes projets printaniers, tu sais, vous savez. C'est, on dirait, c'est comme si le printemps est d'avance. Ça fait que là, j'ai plein d'idées. Puis là, je suis comme... tu sais, je vais sortir mon linge de printemps, tu sais. En tout cas, fait que là, je trouve que on dirait, c'est comme si... j'avais l'idée, comme je vais le faire aux deux jours parce que c'est difficile, mais peut-être que, genre, j'aurais pu commencer à le faire tous les jours. Comme... c'est juste qu'au début, tu sais, j'ai tellement décidé ça vite que j'avais comme pas assez de matériel, genre, pour comme... le faire tous les jours parce que je voulais avoir comme un petit peu de backup. Mais tu sais, je me dis, là, à cette heure, je serais correct. Puis là, tu sais, au pire, ça serait la fin ou est-ce que ça serait aux deux jours? T'sais? Si jamais que, tu sais, je sais pas, je manque de contenu ou je manque d'énergie. Mais c'est ça, je pense qu'il va y en avoir beaucoup plus. Ça fait que stay tuned. Probablement que... il va y avoir beaucoup plus de vlogs. Parce que là, aussi, je remarque que, genre, je vlog aux deux jours, mais souvent, là, je vloguais tous les jours, tu sais, puis je mettais une vidéo tous les jours en ligne. Fait que là, je mets moins de vidéos, genre, que j'en mettrais en temps normal, que ce soit pas un vlog mars. En tout cas, c'est ça. Ça se peut y avoir plus de vidéos. J'espère que vous allez être contents, puis que vous allez comprendre si jamais qu'il y en a pas une journée, de journée paire. J'essaierai quand même de maintenir les journées impaires qu'il y en a tout le temps. C'est ça. Je vais continuer de déjeuner. Je pense que je vous ai pas parlé de ça, mais j'ai décidé d'arrêter de prendre la femme de ménage. Parce que, ben c'est ça, j'avais dit que je prendrais juste une femme de ménage le temps que j'étais comme trop fatiguée. Puis là, ben c'est ça, c'est avec le temps, j'ai comme récupéré mon lavage. Avec le temps, j'ai comme récupéré de l'énergie. Ça m'a permis de survivre pour une couple de semaines. Mais c'est ça, j'avais toujours aussi la peur de devenir trop lâche en prenant une femme de ménage. Parce que c'est trop facile, genre, de juste comme... tu sais, ah ben, je vais le laisser là, tu sais... la femme de ménage va le ramasser dans deux jours, tu sais. Va pas le ramasser, mais genre, va nettoyer dans deux jours, tu sais. Fait que, mettons, je sais pas, moi, mes planchers étaient sales, ben, tu sais, j'étais comme, ah, ben, tu sais, je les laverais. C'est comme si ça coupait ma swing naturelle d'être comme, oh, le plancher est dû, tu sais. Au lieu de, comme, ah, de le faire, ben, tu sais, j'étais comme, ah, ben, il reste 5-3 jours avec Avignon, tu sais. Juste, j'allais pas laver le plancher puis qu'elle venait trois jours après, tu sais. On dirait, je sais pas, ça faisait comme pas de sens. Puis aussi, elle avait juste comme un petit 3 heures, tu sais, puis c'est quand même pas tant que ça, 3 heures, fait que ça se rendait pas comme genre au fond des choses, tu sais, que je veux dire. On dirait, moi, je suis comme, tant qu'à avoir une femme de ménage puis payer, ben, on dirait, c'est comme si je veux que c'est comme genre... un ménage du printemps, là, tu sais, là, comme à tous les semaines, là, tu sais, je veux que c'est fait partout, genre, tu sais, mais c'est sûr qu'il y a des pièces que tu peux pas faire, là, tu sais, comme juste 3 heures, c'est comme pas assez pour comme tout faire, tu sais. Fait que souvent, ben, ça venait à être comme la base que je fais naturellement, genre. Fait que c'est comme, en tout cas. Mais elle faisait des beaux ménages, c'est juste que, c'est ça. On dirait que j'étais comme, ah,
je pourrais économiser de l'argent là, là, tu sais, si... si j'arrêtais, puis vu que c'était comme un peu dans mes buts d'arrêter de prendre faire de ménage, c'était juste comme le temps que j'étais fatiguée, ben, c'est ça, c'est fait. Fait que là, elle viendra plus. Mais si jamais, je sais pas moi, qu'une journée, ça me tente de me gâter, ben, je la prendrai une journée, tu sais. Mais c'est ça. Fait que là, moi, j'ai une laveuse à plancher. Pas une laveuse à plancher. J'ai une Tenco, comme une balayeuse qui lave les planchers aussi. Mais je trouvais qu'elle coulait, genre, comme... Je sais pas, tout le monde buzz là-dessus, genre, sur Instagram, là. Sur TikTok, on dit, moi, je suis comme, ah, la mienne, elle coule. En tout cas, fait que là, on dirait, comme, bordassé dessus, puis comment, je pense que ça va être correct. Puis, c'est ça. Fait que c'est juste comme la façon que je la nettoyais, peut-être, comme... En tout cas... Parce que ça, c'est comme auto-nettoyance ou... En tout cas, des fois, c'est ça, je trouvais comme genre, je lavais, puis là, il y avait comme une strie qui coulait, là. Puis là, je suis comme... Ça fait qu'il y a de l'eau sale, genre... En tout cas. Fait que je sais pas, peut-être que la mienne a un défaut. Mais c'est ça, fait que je l'ai juste utilisé une couple de fois. Puis j'ai aussi comme une laveuse... Pourquoi je dis laveuse? Une balayeuse robot, ma iLife. Puis elle lave les planchers, elle aussi. Puis ça, ça lave pas vraiment les planchers, mais ça comme... Enlève, on dirait une petite... tu sais, on dirait que ça rafraîchit. Puis là, c'est le printemps. Puis c'est une autre raison pourquoi ce que je m'y ai dit ça sert à rien que je prenne une femme de ménage, c'est que... elle est venue vendredi faire le ménage, puis je pense comme vendredi soir, mes planchers étaient crottés déjà parce que Charlot, il va dehors. Puis là, la neige fond, c'est plein de lacs d'eau, c'est plein de neige, il va dans la neige, il vient tout brun, puis là, il rentre à la maison, puis il salit les planchers. Fait que là, mes planchers sont sales. Puis là, je me disais, avec le petit robot, tu sais, ça pourrait comme toujours faire comme, tu sais, comme si ça serait comme passer un petit Swiffer. Puis là, de temps en temps, mais là, je laverais comme il faut, tu sais. Soit avec la Tenco ou juste avec ma moupe, là. Mais aussi avec la Tenco, c'est pratique, tu sais, comme justement pour ça, des petites, des dégâts comme ça, là, comme genre, bon, salir les planchers 10 minutes après que j'ai lavé les planchers, là. Fait que c'est ça. Mais là, pour mon petit robot, j'ai perdu comme... Ça prend comme un différent compartiment pour laver les planchers, puis je le trouve pas. Fait que ça va être dans mes projets. Puis je pense que je vais mettre ma maman sur le projet. Parce que ma mère, je sais pas comment elle fait ça, c'est un ninja, mais elle trouve tout. Tu sais, c'est pas sa maison, là, ici, là. Puis elle va le trouver. Genre, elle a l'œil, je sais pas. En tout cas, fait que je cherche pour ça, ça fait deux semaines, sortant. Je l'ai pas encore trouvé. Puis je suis comme si je dis, man, je trouve pas ça avec comme, ah, je l'ai vu l'autre jour, telle place. Je sais pas comment elle fait ça, mais elle a une mémoire ou elle a comme un œil pour chercher. Incroyable. fait que c'est ça. Puis une autre chose aussi, c'est que ma maman m'a dit, je vais venir t'aider à faire ton ménage. Fait que, tu sais, j'étais, OK, perfect. Fait que on va recommencer ça comme avant, à cette heure que j'ai de l'énergie. Ma maman venait, puis on faisait le ménage ensemble. On dirait qu'on pouvait aller comme plus cru, là. Puis je faisais comme vraiment des gros ménages fond en comble. Comme là, ma salle de spare, ma chambre de spare, comme c'est un déluge là-dedans. Hein. Puis je vais faire le ménage là-dedans hein, dans les prochains jours, c'est dans mes projets. C'est extrême, là. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme tout de trier. Comme, c'est plein de petits bacs qui est comme à trier, de petits gugus, de fils, de téléphones, puis de. Tu sais, là, des affaires comme ça, là. Fils de Nintendo. Puis des. En tout cas. Moi. Puis, il y a comme du linge aussi dans cette chambre de spare, là. J'ai enlevé le lit, là, tu sais, j'ai mis le lit en bas, puis là, c'est encore pire, tu sais. En tout cas, si jamais qu'on a un petit bébé. Il faudra qu'on se trouve une manière de ne pas envahir sa chambre avec plein de cochonneries, là, tu sais. Alors, ce qu'on dirait, c'est comme notre chambre de débarras, là. C'est trop facile, genre. C'est comme, ah, quelqu'un arrive, tu sais, tu prends ça, puis tu le mets là. Ou comme, ah, un lavage, tu sais, ah, je vais rien le mettre là, je vais le plier plus tard. Puis, c'est ça. Ça fait que... Ça fait comme une chambre de débarras. C'est ça. Là, ma mère était comme, ah, Joanie, t'as aidé à faire le ménage. Fait que là, hier, on avait été prendre un petit café au Tim Hortons, pis elle était comme,
Là, mais finalement, on a jasé, mais on s'est dit là comme trop tard, mais t'es ça, Vlenny Maddy. Ok, moi, j'aime ça faire du ménage à deux. Je trouve que c'est plus motivant. Puis ma mère, ben, elle aime ça, Maddy. Puis... c'est ça. Fait que. Mais je vais quand même comme faire mon ménage, puis André va aussi faire du ménage, même s'il déteste ça. Ça fait partie de la vie. Moi. So. Là, je vais me sécher les cheveux. Je vais me crémer la face. Parce que je sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure, mais j'avais la face rouge quand j'ai sorti de la douche. Et avec là, je vais faire ça. Je vais aller travailler un petit peu. Puis, on va se jaser plus tard. Hello! Fait que là, je m'en allais me chercher un café au Tim. Puis quand j'ai sorti, ben, j'ai vu qu'il y avait vraiment une boîte Good Food. So, là, ben, ça, on s'est dit, je vais la rentrer. Puis, la mettre au frigo. Puis, comme je ne l'ai pas commandé de moi-même, ben, c'est des recettes surprises. Mais habituellement, tout est bon. Au Good Food. Chez Good Food. Poitrine de poulet fromagée avec sauce crémeuse au poivron rôti. C'est juste du poulet, du riz, puis des fèves. Ensuite, des côtelettes de porc rapido style cabane à sucre. Ouh. Avec des haricots à l'érable. Ah, moi. J'ai comme ça là, des beans. À suite. Ensuite, ouh, ça a l'air bon. Des boulettes de bœuf, sauce air romarin avec des brocolis et des carottes nantaises rôties. Ça a l'air vraiment bon. Donc, je pense qu'on va avoir des beaux repas ce soir, demain et vendredi. Ben, je vous montre le plancher, vous allez comprendre. Pourquoi est-ce que ça y prendrait des petites pâtes ballouines? C'est ça. Ah, tu sais, elle a lavé ça vendredi, puis je pense comme vendredi... 2 heures après, c'était déjà commencé. C'est à 30 dehors. Mais, en tout cas, je vais quand même trouver mon robot parce que j'aimerais que ça comme lave ça. Et aussi, je pense que je vais acheter des petites du Swiffer 30. Là, bon, je l'ai pogné. Mais ça a roulé dans le caca de je sais pas quoi. Caca de chat qui sent la merde. En tout cas, ça c'est moins pire. Pire! Mais je vais aller au Tim. Après ça, je vais aller au Pet Shop. Puis je vais m'en aller de nouveau. Péro pense à regarder où est-ce comment il y avait de char. Pet Shop. Puis genre nous autres, c'est comme un Tim Hortons là, que t'es pris là, comme dans la. Dans l'allée, là. Tu peux pas virer de bord. Là, comme... une fois, c'était en plein été, j'étais avec Mo. Puis l'air climatisé avait manqué dans mon char. Ouais, c'était mon char. Il faisait 37 dehors. Je voulais mourir. Puis là, tout le monde, tu sais, sont comme, ah, oh, on va aller chercher une petite drink. Ça fait que j'étais pris là-dedans. Là. Puis là, le monde n'avançait pas. Puis moi, je voulais juste comme sortir parce qu'après un bout, tu peux sortir, mais t'es rendu presque à l'intercom, genre, mais tu peux sortir, là, tu sais. J'étais comme, oh my god, ça fait j'ai juste. Pfiou! J'étais comme on s'en va à la maison. Si bon. Ouf! Puis on dirait après ça, là, je suis comme. Tu sais, on n'a pas crevé de chaleur, là, mais comme c'est comme si Mo avait senti ça, puis il avait toujours aimé ça dans les chars, puis après ça, il aimait plus ça. On dirait qu'il est venu comme cabin fever. Je sais pas s'il a ressenti mon énergie, mais il aimait plus ça. Quand on allait en camping, il aimait pas beaucoup ça. Il broyait tout le long, petit bébé. Oh oh. Petit cœur. Ah, lui, il est pas ici, hein. Il était tellement énergique, là. On dirait que c'est comme, je me souviens pas, genre, comment énergique il était quand que je le compare à Charlot. Mais genre, il était ultra énergique. C'est juste qu'il était moins sale. Charlot, il est destructeur, tu sais. Puis comme, il court encore plus vite que Mo. Puis Mo courait vraiment vite, mais tu sais, il avait les pattes longues mains. Qu'est-ce que tu fais, Charlot? Ouais, en tout cas, on dirait que j'aurais aimé, comme, qu'ils ont vécu ensemble, comme... une couple d'années, mais dans le fond, Charlot aurait drainé un mot là, complètement. Ça aurait comme pas marché là, parce que lui, il est bien trop fou. Puis l'autre, il aurait été comme, c'est trop âgé. Je suis contente qu'il ait eu comme tout son temps, toute son attention juste à lui. Jusqu'à la fin.
Mais c'est ça. On dirait que j'aimerais quand même que c'est ça. Mais ce qui serait en forme, là, t'sais, on dirait que ce serait comique les voir. Parce que je trouve que Sparky, il est pas joueur en tout. Il est comme, t'es plat. Pourquoi est-ce que tu joues? T'sais. On dirait qu'il veut pas jouer en tout avec Charlot. Mais Mo, lui, il voulait toujours jouer avec Sparky. Puis Sparky, comme, voulait pas tant que ça. Ça, on dirait. C'est ça. C'est tout le temps comme il y a tout le temps qu'une vibe comme nerf dans le pot. Ouais. C'est dû d'en pogner deux qui aiment jouer. Puis là, ben, c'est ça. On dirait plus je pense. Je me dis, Colin, ma sœur, il aimerait tellement ça, avoir un petit ami. Peut-être que j'ai réussi à coaxer André. Même si tout le monde est comme, fais pas ça. Moi, je pense que Charlot, c'est un chien que ça y prendrait ça, tu sais. Je pense qu'il serait plus. Tu sais, il est beaucoup actif, puis il aimerait vraiment ça, avoir un ami chien, là. En tout cas, c'est à réfléchir. Je vous annonce que. Les biscuits miniers sont sortis. Fait que, tu sais. C'est bon. Ah! Je sais pas si vous avez vu le reel de Cémyriam, mais Subway a fait des biscuits 12 pouces. Genre, à manger ça à la cuillère. Genre, je suis comme. Faut que je goûte ça. Je retourne à la maison. C'est fermé. Colin, ça dit que toute leur équipe est malade. Pitchy. C'était un site, là. Les virus, les cochonneries. Il y a tellement d'affaires qui passent. Bon, c'est pas grave. J'ai juste ça une autre journée. C'était pas ultra pressant, c'est juste que j'étais sur le chemin. J'étais en char. Maman, ma maman est ici, ça fait que je vais travailler plus tard. On va faire un petit peu de mélange. Parce que c'est crotté. J'ai tellement chaud. Je sais, je dis toujours ça, mais comme là. Ma mère était chez nous, ça faisait comme, je sais pas, comme 3 heures. On a lavé, genre, comme, tout ce qui était possible à laver. Genre, les murs, les baseboards, le plafond, tout. Oh, ma mère, là, quand elle décolle à faire des lavages, là, de même, là, c'est comme, vraiment, creux. Puis là, c'est ça, c'est comme, ménage de printemps, là. Puis, il en reste encore beaucoup à faire, là. Tu sais, les fenêtres, tout. Fait que c'est ça. Puis là, je pense qu'on va se lancer à. Comme là, on a comme vraiment décroté, mais on va se lancer à faire du pièce par pièce. Parce que là, ma chambre de spare est en mordée. Fait que, tu sais, on va comme vraiment essayer de tout les clencher dans les prochains moments, là. Puis, et ça, là, j'aimerais avoir des rideaux. Pour ma chambre, parce que là j'ai des vieux rideaux gris doublés avec des rideaux mauves. Parce que ça, on voyait trop à travers, ça, j'avais fait ça dans le temps, puis là, je les ai changés depuis ce temps-là, puis je sais pas pourquoi c'est revenu à ceux-là. Je pense que Charlot avait pissé les rideaux, je sais pas pourquoi. Mais il me semble que je m'avais débarrassé des rideaux. En tout cas, puis il y a tout le temps qui est trop clair, fait que là je vais aller voir juste au Heart, vite fait. Si je pourrais pas me pogner des rideaux puis un cadre pour mettre sur le top de mon lit. Les lavages ont été pliés, j'ai tout plié ça. Puis comme tout est lavé, mais genre, il y a encore des choses comme ça. On n'a pas pogné à la salle de bain, mais je me dis comme ça, la salle de bain a été faite vendredi, là, mais ça avait dû pareil, là, on arrive jeudi. Fait que c'est ça, en tout cas, j'aime ça, puis j'aime ça faire du ménage avec ma maman parce qu'elle est frotteuse, puis ça avance, puis c'est motivant, fait que on dirait que c'est fun. Faire du ménage à deux, j'aime ça, je trouve ça plus c'est fun. Je suis chanceuse, ma petite maman qui vient faire mon ménage avec moi. Puis j'ai pas filmé parce que ma maman était là, puis je sais pas, on dirait. C'est du temps que je passe avec elle, puis on dirait, je sais pas, j'ai jamais demandé ce qu'elle voulait que je la filme, mais... À part comme faire des petites stories, c'était là, on dirait, je sais pas, j'ai pas envie comme de filmer pis que on est là à faire du ménage, on dirait, là, comme, je sais pas, t'sais, pis on jase, pis on rit, fait que, c'est ça, je prends du temps, ça fait du temps de qualité, là, pis, je sais pas, on dirait, j'ai pas envie vraiment d'avoir ma famille sur mes vlogs non plus, là.
Je trouve ça le fun que ça reste comme séparé. Je te dis, vous alliez dire, genre, à charbe à tous les jours, mais c'est juste un adonnance, OK? Mais j'ai encore été au de l'eau. Parce que là, je voulais aller au Heart, puis ça formait, genre, comme 5 minutes après que j'ai rentré. Fait que j'ai ramassé ce que je voulais vraiment rapidement. J'ai ramassé 2 cordes, puis il n'y avait pas de rideau. C'est ça. Puis, vous vous souvenez, l'autre jour, je vous ai parlé des mots croisés. J'ai pogné un petit craving depuis ce temps-là. Je suis comme, j'ai envie de faire des mots cachés. Ben, des mots croisés. Moi, j'appelle ça des mots croisés, mais c'est des mots cachés, c'est une grille, là. En tout cas, je m'achetais un cahier. J'étais comme, c'était là, comme d'être au cage. Le doulou, il était à côté, fait j'arrêtais. Puis, j'ai ramassé comme une couple de petites choses, mais surtout pour ma shop, là, comme j'avais plus d'agrafe. Ça va rien. Petit pot de colle. De palpitant, tout ça. Mais, c'est ça. Faisait longtemps que j'avais rien acheté qui était comme pour la choupe. Je me dis comme il stocké là-dedans. En regardant. Puis c'est parce que je voulais avoir de l'angle pour les étangs. Parce que je m'achetais une grosse, grosse étangle. Puis, il n'y en avait pas. J'étais comme caroline. En tout cas, il y a de tout, de l'eau, sauf de l'angle à étang, mais il y a des étangs. J'ai acheté des petits Reese, les tins. Je suis comme, c'est énorme. On dirait qu'il y a comme un petit goût de brûlé, je trouve. Puis tu le goûtes encore plus quand c'est dans les tins. En tout cas, c'est pas bête. Ah, c'est ça le cadre que je me suis ramassé tantôt au Art. 39$. Puis je pensais le remplacer. Remplacer celui-là. Mais ça se peut aussi que je le retourne. Je suis pas sûre, celui-là. Ou ça se peut que je le mets ailleurs. Là. Mais je le trouvais trop beau. J'étais comme, oh, il est beau! Puis celui-là, c'est le deuxième que j'ai acheté qui irait genre là. Mais là, il faut mettre les petits crochets en arrière. Ça, ça quand c'est pas déjà installé. Mais bon, fait que lui aussi vient du Heart. Je me souviens pas comment il était. Je sens qu'il était 39 ou 49. Là. Yeah, fait que c'est ça, mes petits achats. Il est rendu 9h20. J'ai regardé Big Brother tout à l'heure. C'est tellement bon. Là. Oh. Si jamais vous le suivez, vous me direz. Mais ouais, c'est ça. C'était vraiment une bonne mission. J'ai hâte de voir ce qui va se passer demain. J'ai hâte de voir ce qui va partir dimanche. Puis en plus, la semaine prochaine, là, comme tout change, il n'y aura plus de PM. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va y aller là, avec tous les défis qu'ils vont faire. Ça va être intéressant. Fait que c'est ça. Puis là, le vlog est assez long. Ce ne sera pas un vlog ben palpitant. Parce que j'ai fait du ménage toute la journée avec ma maman. Mais c'est ça. C'est ça. Hein? Ça peut pas être palpitant tous les jours. Ça, je voulais aussi vous dire qu'il va y avoir un vlog à tous les jours à partir de maintenant. Pour le vlog mars, ça fait que ça sera plus aux 2 jours. À moins que genre, je sais pas, j'arrive comme vers la fin du vlog mars puis que là, je retournerai de nouveau aux 2 jours, les jours impairs. Mais je vais essayer d'en faire pour un petit bout de les faire tous les jours. André est en train de travailler à côté de moi, fait que je vais faire mes vlogs. On se rejase la prochaine fois. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas de mettre des petits pouces, de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, de laisser des petits messages dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir de jaser avec vous autres. Puis si jamais vous écoutez pas les vlogs de Calou, elle fait aussi le vlog mars, puis aussi Maud Dufour fait le vlog mars. Bientôt. Bye. Demain. Sans jase demain.